Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas un joyeux Noël. Papa Guy qui arrive, on va analyser les duos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Aujourd'hui, j'ai terminé la rétrospective de l'année 2022. Enfin. Bon, en vrai, c'est encore plus fou quand tu sais que j'ai commencé hier soir. Et voilà, c'est fait, donc ça sortira dans la semaine, fin de semaine. Plumeline, Osef, gueule pas gros dégâts 5, blindé bique éclaté, genre c'est vraiment cool, les imarrés l'éclaté, roi salon Osef, up karcha gotcher, up galam sympa, up gardevoir, ça va, voilà, je vous ai fait gagner 2 heures. Ratel, je te déteste. Salut Marvin, joyeux Noël à toi aussi. Voilà. Pop, 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 j'ai refait mes scènes. Alors que là, c'est bon, on a les scènes d'analyse, voilà. Tac, on va juste mettre un petit peu de musique. Voilà. Et puis on va attaquer tout de suite. Comme ça. Si je live aussi tôt, c'est parce qu'à 20h c'est White qui live. Donc moi plus je live tôt, mieux c'est. Comme ça après ce soir, moi, je peux m'amuser à jouer à des jeux. Je peux pas me détester sur ça. Ratel, depuis quand t'es aussi cringe? Au secours! Mais espèce de malheureux. Bon, encore une fois, hein, si la musique est trop forte ou trop basse, n'hésitez pas à le dire. Je rappelle, hein, début du mois, j'ai reset mon PC, donc j'ai perdu tous mes trucs. Good day, fellow human, Twitch recently changed some permissions, login in dashboard and grant lost access. Ouais, enfin, Moubot, t'es bien sympa, mais je ferai ça plus tard. Hein. Vraiment. Pff. Alors, commençons là par Aurore. Je n'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu des duos. Donc on va découvrir ça. Alors, tacticien. Alors, Plumeline style Bouillot. Bouillot. Alors, niveau 150, 300 en attaque, 400 en attaque spéciale, 302 en vitesse. C'est un tacticien. C'est un tacticien. Ok. En vrai, les stats sont corrects en attaque. Ensuite, danse éveil, type spectre spécial, 120 de puce. Ah oui, mais attendez, on est en 5-5. On va. Voilà. Au niveau 140 déjà, ouais, c'est déjà un peu mieux. 332 en attaque, 380 en attaque spéciale, 288 en vitesse. 100 de puissance pour danse éveil en 1 sur 5, ça coûte 3 segments de jauge capacité, aucun effet additionnel. Danse plume, bon, danse plume, on connaît, c'est ce qu'il y a sur Etoraptor. Et peut-être un autre duo que j'oublie. Ensuite danse folle. Alors danse folle, ça c'était sur Sucrène et Barbara. Donc ouais, on reconfut tous les adversaires. Ok, donc c'est vraiment un truc axé sur la danse. Une danse parfaite. Applique l'effet anti-baisse de stats au côté allié. Ok, donc on est d'accord, c'est ouais, c'est bien, on peut pas se faire baisser nos statistiques. Le lanceur regagne environ 40% de ses PV maximum. Augmente l'esquive du lanceur d'un rang. Un move dresseur qui m'a l'air un peu éclaté. Après, je dis pas, l'anti-baisse de stats, ça peut servir, mais dans très peu de cas. Célébrons le nouvel an, laser spectra. Ah, j'adore les capacités du jeu avec un laser ou un impact. Plus les stats du lanceur sont augmentées, plus cette attaque est puissante. Ok. Alors, les talents passifs. Auto-double up stats. Quand une stat du lanceur est augmentée, celle-ci augmente du double de rang. D'accord, donc l'esquive augmente de 2 rangs à la place d'une. Et donc tu fais deux fois l'esquive augmente de 4 rangs. Salut Brice. D'accord. Alors ensuite, double baisse stat ennemi. Lorsqu'une stat est baissée, la baisse est doublée. Avec évoluer, ça peut être drôle, ouais, faudra tester. Par contre là, de ce que je comprends de ce talent, ça ne précise pas le lanceur. Donc c'est-à-dire que si tu joues à côté par exemple d'un Amphinobi, les stats vont être baissés. Genre c'est vraiment un talent passif-passif. Genre imagine un truc tout con, je joue Emolga. Emolga il baisse deux fois les stats de l'adversaire. Et là genre ça va doubler les stats. Genre ce serait trop fort. Salut Staker, comment tu vas bro? Ce serait vraiment trop fort. Je vais essayer de bien me remettre. Putain, en fait le souci de ma caméra c'est que le câble USB est trop court. C'est trop chiant.
Là, c'est Aurore et Plume, c'est le premier duo du stream. C'est vraiment le tout premier qu'on analyse. Ça va rien rater. Ensuite, action ennemi dégâts spécial Spectre Plus. Turbo et Knuckles Turbo Plus Deluxe. Ultimate Edition. Inflige des dégâts supplémentaires à la cible quand le Pokémon du lanceur utilise avec une capacité qui vise cet ennemi. Type Spectre catégorie spéciale. Les changements de statut ne sont pas n'ont pas d'incidence sur la quantité de dégâts infligés. Ouais, enfin, c'est juste pour dire que Dans Éveil est plus puissant que normalement. Voilà. C'est juste pour dire que c'est plus puissant. Ok. Ah, derrière, tu mets une petite Zo Spectre. Alors, le platard. Ah, ok. Bon, le 1-5. A5, c'est de la puissance, ok. Et il y a un immunité empoisonnement, immunité PC esquive, immunité confusion. Ok, en 2-5. Récup jauge 2 sur Danse Éveil, les stats. Récup jauge 2 sur Danse Plume, intro jauge Ep équipe, ok. Dans Sol récup jauge 2. Chance dégâts confusion ennemi up 5, ok. Une danse parfaite récup PC 2, soins augmentés. Ok. Vends-moi du rêve. Réconfort 2, attaque ennemi baisse puissance up, ok. Action statut, utilisation, ok. Remplis 4 segments de la jauge capacité quand on utilise une capacité de statut. Bordel. Ah ouais, tu fais danse plume danse seul, c'est bon, t'es tranquille. Hein. Au secours. Même si de base il a une vitesse correcte, entre guillemets. Bah 300 c'est ok, c'est pas exceptionnel non plus. Ah oui, mais c'est surtout ok, c'est pour ce multiplicateur là. Ok. Et là, encore un soin augmenté. Première capacité du encaissement. Action ennemi, stat baisse 9. Baisse une des stats de la cible au hasard. Quand on utilise une capacité. Sachant qu'on a le double baisse stat. Ok, ça va être un bon débuffer. Tourment ennemi puissance capa duo. Ok. Madre de Dios. Bon, en vrai, le tourment Osef, allez. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir. Chez moi, c'est Frisky. Aurore. La tenue, je m'en bats les couilles. Le poké, je m'en bats les couilles. Ce qu'il fait, ça peut être sympa, mais je m'en bats les couilles. Le plateau, je m'en bats les couilles. C'est parfait. C'est parfait. Continuez comme ça, Denak continue à sortir des nouvelles ans dont je m'en bats les couilles. C'est parfait. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Juste, j'en ai vraiment rien à branler. Ça va bien taper. Ça va bien taper si t'as des doublons, en vrai. Le système de debuff, ça va vraiment être sympa. Mais vraiment... Ouais, perso, j'en ai vraiment rien à branler. S'il y en a qui sont hype, tant mieux pour vous. Ce sera un bon duo, en vrai, un bon débuffeur, avec des bonnes stats offensives, qui va faire des bons trucs. En plus, même sans être un duo qui va attaquer, si le double baisse stat s'active réellement, quand même si c'est un autre duo qui débuffe l'adversaire, c'est encore meilleur. Merci, Maxjin, pour le follow. Alors, attends... Chat alerte. Ah non, les alertes, c'est au-dessus du chat normalement. Espèce de. Débuff vite, vous pas l'intérêt. Bah, tu sais, même moi, je joue Emolga, des moments, je me dis putain, je débuff vraiment trop vite. Alors, en Finobi, j'imagine même pas. Bon, ok. Merci pour le dodo. Maintenant, passons à Atalante. Atalante. Bon, moi, j'aime bien Atalante. Donc, en vrai, on va voir ce que ça donne. Galopa, forme de gala. Il est shiny? Non? Il est shiny? D'habitude, il est rose et bleu, non? D'accord. Alors, pourquoi shiny? We don't do that here.
Ok, alors 404 en attaque et ce n'est pas une erreur. C'est encore une fois que je fais la vanne. 372 en attaque spéciale. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais 332 en attaque, t'as aucune attaque physique, hein. Ça me fume. Pourquoi Krakos est shiny aussi? Bah parce que... parce qu'en fait, Ludwina, elle a fait du Masuda. Et bonjour, Elec. Elle a fait du Masuda, elle a tryhard. Et sans sandwich de merde, hein. Parce que moi, mes plus de 1000 E sur Shoujo Deal, là, sans avoir shiny, ça me pète les couilles, hein. Ah, je suis un sandwich, j'attends 30 minutes où je me fais chier. Après, tu fais 20 minutes d'œuf où t'as rien, et après, tu te refais chier pendant 30 minutes. Super. Comprenez pourquoi je stream pas la chasse de Shoujo Deal, hein. Alors, vive attaque. Ça, on connaît. Muscle plus plus, giga impact. 4 secondes juste capacité, 223 de puissance. Ça va faire mal. Combat en live. Ça fait rire parce qu'on lit ça en live, t'imagines, il y a un mec qui arrive derrière moi puis on commence à se bastonner en live. Masuda avec elle-même parce que c'est une pierre. Ok, je vais sur le site plus adapté pour ça. Comment ça, mon ref? Teasing de machine. Let's go, machine sur Masters. Attaque et vitesse plus 4. Prochain boost capacité physique de 0 à 3 aléatoirement. Ok. Donc c'est soit t'as rien, soit t'as 40%, soit t'as 80%, soit t'as 120% de puissance. Ça se prend toujours. Impact fait, voilà. Conversion fait, change des attaques de type normal anti-fait. Donc giga impact, grosse attaque de type fait. En vrai, c'est dommage que ce mois-ci, Zacian, il ait pas des cases festival. Parce que j'aurais bien voulu voir des cases sur Kalinry. Pour me dire, est-ce que je joue giga impact ou est-ce que je garde Zacian pour Kalinry? Bon, en vrai, Zacian Kalinry, c'est pas exceptionnel, mais ça se joue en vrai. Kappa... Ah, il a... Ah non, 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 j'allais dire, il a 4 talents, mais non, ça, c'est un talent. Kappa duo, Kappa suivant, ultra efficace 9. Applique l'effet prochain super efficace au lanceur après utilisation d'une capacité duo. Bon, pour le coup, je préférerais qu'on ait le super efficace avant la CD. Mais pourquoi pas. En vrai c'est la CD, c'est pour sa CD à lui. En vrai, si tu lui EX, tu vas quand même faire des bons dégâts. Puis après, ouais, c'est surtout pour finir. Coach immunité empoisonnement. Vends-moi la poule dessus vu que c'est physique. Mais toi, t'aimes quand c'est physique. Alors, le 1-5. Récupérer PC2 sur muscle plus plus. Immunité baisse attaque. Immunité confusion. J'ai vu un turbo zone fait. Ok, bon. Zasson. Casquette 5-5 quand Zitzia récupère Clown Moment. Et. Attends! Attends! Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on ose en parler? Ce serait. Franchement. Dena, si vous m'écoutez, faites-le. Mais ce serait hilarant si vous lui mettez des cases d'au festival ainsi qu'un up de plateau pour le 1er avril. Vraiment, vous faites ça pour le 1er avril, vous êtes des dieux. Petit prime pour Noël. Oh, yo fait. Tu... Attends, t'as claqué ton prime. Joyeux Noël qui ont quand même aimé joyeux Noël à toi. Un jour, leur... mais, un jour... mais Dracolos. Dracolos, vraiment, tu lui permets de se setup, de vraiment bien se setup. Tu lui mets à la limite un petit multiplicateur de puissance sur Ultra Laser et c'est bon, il devient très très bon. Enfin bref, où on en était? Le 2-5, Giga par récup Josh 3, bien sûr, résistance dragon, ok. Turbo champ psychique, vitesse. Ah, de base. Ah non, 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 ok. Champ psychique, puissance. Putain, ok. Champ psychique? Mais il tape sur le type fée? Pourquoi le. Attendez, là j'ai un bug. Pourquoi? Il tape pas sur le type psy, pourquoi tu jouerais le champ psychique avec lui? Genre, si ça aurait été zone fée, je veux bien, mais là c'est débile. Psy fée de base, Juno, bah même! Même! Tu vas pas poser le champ psy juste pour 10% de puissance? Alors, en fait, j'ai pas reçu de prime. Après, t'es pas obligé. Bah pourquoi pas? T'es raciste? Alors, Elec, ce n'est pas le live où on doit avoir cette discussion. Mais si je devais te répondre très sincèrement.
Voilà, j'espère que mon explication t'a fait plaisir. Donc, oh, salut Taylor! Déjà, j'avais pas vu qu'il y avait Taylor, merde, je suis désolé, il y a tellement de personnes. Oh, on est combien? Oh, on est 17 quand même! C'est trop de trop! On aurait été 14, ça aurait été parfait! Non, je déconne, restez. Ultra efficace 3 sur vive attaque, action vitesse up 9. Ok, il y a des petites cases sympas sur vive attaque. Ouais, c'est une petite animation que j'ai trouvée sur internet. Et bah le mec, en plus il a mis son watermark, donc bah je le laisse quand même, tu vois, s'il y a des gens qui sont intéressés. Parce qu'en vrai, bah vu que j'ai dû reset mon PC, forcément, il y avait des scènes que j'avais pu. Donc j'ai essayé de refaire comme je pouvais. Et genre, si vous voyez. Y a pas mon micro, mais en gros en bas à gauche, y a le nom de l'artiste. Et vraiment, il fait des bonnes animations. T'as un bon chat, mais il faut créditer les artistes. Il faut créditer les artistes, ils les en chient trop. Et pour le coup, autant je trouve que l'art, entre guillemets, par intelligence artificielle, autant pour rire 5 minutes, ok, tu vois, genre pour faire un truc à la con, d'accord, mais vendre ça comme étant du vrai art, là, par contre, c'est un truc de fils de pute. Ah ouais, mais il a plein de cases sur vive attaque. Bon, en vrai, ouais, après ça dépendra de ton utilisation. Attends, déstabilisateur 9. Déstabilisateur 9, into action vitesse, into ultra efficace. Ouais, mais après, t'as récupéré PC. Ouais, t'as récupéré PC2 sur vive attaque. En vrai, tu peux avoir un petit côté utilitaire avec lui. D'accord, des prédits pour raconter des points. J'ai jamais compris l'art. L'art, c'est subjectif. C'est. Je pense que si t'es pas sensible à ce qu'est l'art à la base, t'as du mal à cerner. Turbo Zone fait. Combat en live, capacité critique 1. Il se donne du crit? Oh! Non, mais en vrai. Un petit ultra efficace. Tu fais un truc comme ça. À la limite, t'enlèves la CD, parce que j'en ai un peu ras le cul de jouer avec la CD sur mes attaquants. De la précision, sans gigant. On se donne. Non, on se donne pas de précision. On a 90 de précision. Non, mais en vrai. Voilà. En vrai, de ce que j'en vois, Galopade Galar, ça va taper fort. C'est cool. J'aime bien un talent de base, donc je pense que je ferai au moins les délits. Après, si vraiment à un moment ça demande un combat de CS type fait où ça demande du physique, pourquoi pas le ramener? En 1 sur 5, ça doit pas être dégueulasse. Mais pour le coup, typiquement, le perso, je pense que je vais le daily, mais si je l'ai pas, j'en fais pas un drame. Mais en vrai, c'est pareil. Moi, j'ai énormément de bonbons, je sais pas quoi en faire, mais j'ai la flemme d'en mettre. Genre vraiment. À chaque fois que je veux mettre un bonbon, je me dis ouais, mais en fait, ça se trouve, ça me servira plus tard, vas-y. Alors que pourtant, tous les 20 jours, j'ai un bonbon or, vous voyez. Genre, c'est un truc débile. Alors, je sais pas si vous. Ouais, c'est bon, vous avez sur le stream. Moi, je l'ai juste pas sur mon. Donc, ok. Sympathique, ça va taper fort. Même en 1 sur 5, ça va taper fort en vrai. Ouais, par contre, si tu veux vraiment avoir le max de puissance, ouais, c'est vraiment 3 sur 5. Qui sauf que je suis venu à un point où j'avais 4 bonbons de chaque. Mais moi, je crois. Alors, j'ai 4 or. J'ai un attaquant. J'ai 33 médailles attaquants. J'approche de mon quatrième bonbon tacticien. Et j'approche. Et j'ai 3 bonbons soutien. Pas de Z, donc scénar de Kalos, 14 sur 20 seulement. Mais t'inquiète, en P2, Steve. En P2. En jour de paix. Oh, j'ai failli sortir. Vous voyez, j'ai trop l'habitude de faire des vannes dégueulasses à Steve et donc j'ai failli faire une glissade en live. Bah tiens, vous savez quoi? Vous savez quoi? Commencer une prédiction. Voilà. Et vous avez. Bon, allez, on va mettre 2 minutes. Est-ce qu'il faudrait une glissade ce soir?
pour ceux qui étaient pas là, Aurore c'est sympa pour des veuves, perso ça m'intéresse pas. Atalante, je vais délire parce que j'aime bien Atalante. En vrai la tenue est vraiment cool. Même si en vrai je vais pas vous mentir, je crois que le nouvel an c'est la période qui m'intéresse le moins sur Masters. Et puis en vrai ça peut faire un duo sympa. Why not? Passons maintenant à Aurore et Chenizel. Attends, par contre, qui m'a ping? Le code de ces morts qui m'a ping! Pourquoi Bomender il me reping en me disant la nouvelle Stratmasters, il me l'a dit il y a 30 minutes? Alors, Su Tiang. Alors, bien évidemment. Bon, là par contre, on va laisser au niveau en 5 sur 5. Bon, non, 3-5, c'est bien. Surtout dans ce soutien, je pense pas qu'on aura au-delà. Pourquoi ce Pokémon? Parce que si ça se trouve, il garde Aurore et Tiplouf pour une tenue néomètre. Ou alors Aurore et Mamouchon pour une néomètre, je sais pas. Surtout que bon, putain, Aurore, elle a jamais eu une chemisette. Non mais je sais pas ce qu'ils font. Autant il y a des persos, leurs Pokémon sont super logiques. Autant Aurore, ça se tape un Charmini. Ça se tape un Plumeline, ça se tape un Chenizel, mais au secours! La vie de ma mère, ils ont calculé et mis toutes les cases pour la tchos, solo la tchos, ça va à gauche. Alors, 201 en défense, 231 en défense spéciale, 225 en vitesse. Torterra, elle l'a déjà. Mais Torterra, après, là, c'est le duo de base, hein, vraiment. Là, je te parle vraiment sur les alternatives. En vrai, il n'y a que Torterra et Cresselia, ou c'est legit. Bah après Steve, t'as des persos des jeux qui ont les Poké des animés. Hein. Genre Serena Fennec, c'est les jeux et l'animé. Hein. Alors, sur Survinsect, baisse l'attaque spéciale de l'adversaire d'Aran, donc tous les adversaires, ok. Omni attaque SP+, ok, Giga Sensu, ok. Allons-y, les cheveux au vent. Alors, faudrait pas qu'elle sorte de chimiothérapie. Oh putain! Est-ce qu'on compte ça comme une glissade? Oh putain. On voit un SP la vitesse de tous les duels de Doran. En vrai, c'est sympa. Attaque SP, DSP, vitesse. En vrai, c'est cool. Plateforme régène. Vous voyez, je sais même pas tenir 10 minutes sans faire une glissade. J'ai trop un humour de merde. Plateforme régénération, applique l'effet régénération en PV. Ok, bon. Réaction traitement, récup jauge 4. Ok, bon. Typiquement, tu boostes tes alliés, puis après, tu spams sur 20 sectes. Pourquoi il y a un A à côté de mon pseudo? Je regarde. Prédiction, oui. C'est parce que t'as dit oui à la prédiction. Et je crois que 2, c'est quand tu dis non. Bon, en vérité... Waouh, vous avez été 97% à dire non! Mais what? Non, mais vous avez fumé! Eh, vous me connaissez mal, vous, hein, vraiment! Eh, vous croyez que je suis innocent, en fait, hein? Bon, alors. Bon, Elak m'a dit en haut à gauche, c'est tous les trucs pour solo Latios, donc on va voir ça en dernier. Sur un sec, récup jojo. Pleine forme 4? Comment ça? Attends. De base, t'es garanti de baisser l'attaque spéciale. C'est-à-dire que là, le pleine forme 4, c'est pour baisser une seconde fois l'attaque spéciale? Parce que de base, c'est pas un pourcentage, hein. Enfin, pour moi, pleine forme, à chaque fois que j'en ai vu, c'était parce que les attaques de base avaient des pourcentages. Mais auquel cas, si c'était pour rajouter une deuxième fois un debuff, ça aurait été capacité debuff genre 5. Dis-moi, les japonais, j'aime pour ça. Bah, ça dit quoi en anglais, Elec? Je sais pas ce que ça donne sur GamePress. Bah justement en fait parce que si ça avait... Si sur 20 sectes encore c'était des pourcentages de debuff, là pleine forme 4 ça aurait été ok. Mais là vu que c'est déjà 100%, normalement ça aurait été sur 20 sectes, capacité, attaque spéciale ennemie baisse 4, tu vois. Ça aurait été un truc dans le genre. C'est la même en anglais, ok. Zone insecte soit 1, zone turbo zone insecte. Giga Sensu récup jauge 2, turbo champ herbu, genre, ok, donc ouais, sur le champ herbu. DSP up, puissance capa. Bah, Apollo Gems, let's go.
D'ailleurs, ils ont changé le talent de Genesect. J'ai pas encore été voir. Putain, par contre, tout à l'heure, j'ai fini le récap de 2022. Et j'ai fait le calcul total de tous les diamants qu'on avait eu en 2022. Oh putain! Oh putain! On peut dire ce qu'on veut sur la tonne de limité qu'on a eu. Par contre, en termes de diamants, on n'a jamais été aussi rincé. Capacité coach défense, récupérer PC2, arriver coach critique. Alors, fiasco, ennemi, jauge 1, ok, quand on esquive. Capacité duo esquive up 3, ok. Omni attaque speed plus, capacité duo régénération, immunité critique. Ouais, donc bonjour, je solo la tcha, c'est bas les couilles. Voilà, bonne journée. Ouais, pas obligé de prendre tout ça. Non, en vrai, j'ai compté. En fait, j'ai surtout regardé les recaps Shiro Kenry sur Reddit. Mais en fait, lui, il fait les comptes à chaque datamine. Et donc, des moments, ben, il y avait genre des diamants qui tombaient, genre des 3000 diamants, tout ça. Donc, j'ai un peu rajouté. Et en total de 2022, on a eu environ plus de 365 000 diamants. Si on compte tous les mois de l'année, ça fait 10 pitis. Voilà. Alors oui, on a eu énormément de limités. Encore une fois, tous les limités qu'on a eu, c'est pas indispensable. T'invoques sur ce qui te fait plaisir encore. Même si tous les duos sont très bons. Notre bonne bonsoir au passage. Salut, champ de player, j'espère que tu vas bien. Ok, bon, bah, Chenizel, en vrai, c'est sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. DSP, vitesse, attaque spé. Derrière, il a des cases sympathiques. Après, avoir la case sur Vincect. Il a des trucs sur champ herbu. Il a des trucs voilà, pour booster encore la défense de ses alliés. Arrivé coach critique en prime. Et derrière, eh ben, il peut solo la chios. Donc, en vrai, c'est un bon petit duo du salon des dresseurs. Ça vaut pas statistique, et non, je suis pas objectif. Alors, ensuite, le duo du scénar du Nouvel An. De l'event de Nouvel An. Kirika, fille en kimono, et Zumar. Alors, il faut savoir un truc. Faut savoir un truc. C'est que, je l'assume, quand j'étais gamin, j'avais un crush sur les filles en kimono de XY. Voilà. Je n'ai aucune honte à le dire. Vraiment, je trouve le chara-design est incroyable. Bit en bois in the game. Alors, ah, c'est un soutien. Dommage, on pourra pas dire hey, Call of Force. La connaissance déjà, ça n'a envie de la semaine. Et en vrai, on va parler un petit peu vite fait de concernant Jantea Ultime. Je veux juste dire un truc. Je remercie la nature de m'avoir fait de me faire aimer les belles femmes. Voilà. Il n'y a pas de sous-message là-dedans, c'est juste je trouve la tenue magnifique. Voilà. Je la trouve tout simplement magnifique. En parlant de diamants pour le triple, penses-tu qu'il serait plus préférable de les garder pour vous voyez ou essayer de chercher Kalem en Finobi? Ben, pour le coup, je vais laisser le chat le répondre parce que, en vrai, après avoir revu tout ce que Kalem en Finobi fait, même s'il est exceptionnel, personnellement, je suis pas trop hype. Je pense Kalem en Finobi, si je l'ai pas en daily, je pense que ça me dérangerait pas de pas l'avoir. J'irai au moins chercher Serena. Mais je vais laisser le chat répondre. Parce qu'il y en a pas mal qui ont Kalem en Finobi, je pense qu'il y en a, ils l'ont pas mal joué. Donc, je vais les laisser. Kalem en Finobi, ça se termine le 9 janvier, je crois. Je regarde. Je l'ai eu sur la single avant la pitié. Oh putain. Bon, bah, un 2-5 gratuit, hein, c'est cool. Enfin, gratuit. On se comprend. Ah ouais, non, mais White, il a fermé le truc, putain, il fait chier. En fait, faut regarder une game. Faut regarder une game le moment où part le portail. On dirait moi avec. Allô? J'ai donné un coup de main, le micro, il a fait. Non, pas le micro à 100 balles! Ça va? Allô? Tu vas bien dedans? T'as rien de cassé? Attends, je vais le secouer. C'est bon, y a rien qui gigote.
Comme j'ai joué une ou deux fois, je dirais. Et très bon, mais un peu la flemme de jouer, bien qu'il soit. Bah, le truc, c'est qu'en fait, en pluie, vous savez très bien ce que je joue en pluie. Et en zone ténèbres, bon, voilà, Darkrai, ça me suffit. Surtout que Darkrai. En vrai, moi, quand je joue Darkrai, j'ai pas besoin de mettre de soutien, vu que je sleep chain à l'infini. T'as reçu les photos? Le 3-5 de Darkrai est cool. Non mais Lily, en vrai, c'est un bon perso. Moi, pour m'avoir refait la 7G il y a quelque temps, il y a un an, vraiment, la 7G, moins mauvaise qu'on veut nous faire croire. Hein. D'ailleurs, Ultra Soleil et Ultra Lune sont dans mon top 3. Hein. Bref, alors, niveau 150, pas forcément, par contre, 5-5, 5 étoiles, bien sûr. Alors, on en était où avec Azumarill? Alors, les stats. 220 dans les deux défenses, ok. 289 en vitesse. Nerf Fouet Coco, de façon massage. Hein. Non mais Fouet Coco, moi je all-in. 9G dans ton top 3, en conséquence, c'est Kikikun. Mon numéro 3, c'est Uzul. Mon numéro 1, mon numéro 2, c'est Écarlate Violet. Même s'il y a énormément de choses, je reproche beaucoup de choses à Écarlate Violet. Mais ça ne retire pas la qualité générale du jeu. Mon numéro 1, c'est Légende Arceus. Voilà. Mais de toute façon... Steve peut vous parler de la tier list dangereuse que j'ai sur les jeux Pokémon. Alors, Vampy Baiser. Ouais, 55 puissance, on connaît. Omni Défense P+. Omni Défense Plus, pardon. Buldo, ok. Force et Beauté. Attaque P de tous les dualites de rang. Défense P de tous les dualites de un rang. Régénération lente du PV, ou ça. Ok. Ah mais Steve, quand tu arriveras au cratère de Paldea. Mama. Mama. Intro jauge équipe. Ok. C'est sympa. Immunité brûlure. Résistance feu. Ok. Bah, j'espère que tu t'amuses bien. C'est vrai que Brice, toi, tu es le jeu à Noël. C'est vrai. Alors, capacité offensive, drain stat 3. Qu'en pensant chance de baisser une des stats de la cible au hasard. On monte la stat du lanceur de la même proportion. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. En vrai, c'est sympa. Si t'arrives à voler des defs à l'adversaire, bah t'es encore plus tanky. Voire même si t'arrives à... Imagine t'arrives à voler de l'esquive. C'est trop bien. Ah ouais, non mais ton frère... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Steve a demandé violer à son frère. Et son frère lui ramène écarlate. Donc il est en mode, putain, tu fais chier. Bon, ok. Et genre, deux jours après, il y a le frère de Steve qui lui fait « En vrai, il faut que je te dise, j'avais déjà envie de prendre Violet, mais j'avais besoin de quelqu'un pour les exclure. T'es mal à taille du rat. T'es mal à taille du rat. Vraiment, ça me fume. Ok, bon, alors, à la limite. Ça. Ici, on a quoi? Résistance pote, résistance glace. Et en vrai, avec toutes ces résistances, il peut servir dans certaines ailes. En vrai, il est faible à quoi? Faible à l'électricité. Eh, résistance plante contre un certain Toko. Bon, à voir après. Hein. Buldo pleine forme pour baisser la vitesse. Ok, bon après. J'ai besoin de ton légendaire. Première capacité duo anti-critique équipe. Ouais, pourquoi pas. Omnidéfense. Ouais, Omnidéfense plus, ouais. Force et beauté récupérer PC2, ce qui fait... Ouais, ça oui. Action défense up 4. Bah, en vrai, pour le coup... Ouais... Bah, en vrai, non. Parce que t'as déjà l'Omni Défense Plus. Arrivée coche défense spéciale 1. Je sais pas, parce que c'est juste un plus 1. En vrai, autant chercher des stats, à la limite. Voilà. Sympa ce petit Azumarill. Sympa ce petit Azumarill. Mais je sais pas, à voir in-game. Mais pour le coup, je trouve un peu en dessous de Spectrum. Après, c'est pas le même rôle, bien évidemment. Hein. Pas le même rôle.
Mais en vrai, il peut être sympa. Il peut être sympa. Ensuite. Ensuite. La reine. Voici le premier plateau pavé du jeu. Alors. Cynthia Karchakrok, faut pas oublier un truc. C'est qu'ici, faut prendre vitesse plus 20 et attaque plus 20. Faut prendre les cases sur la CD. Faut prendre l'ultra efficace 5. Et à la limite, l'arrivée attaque. Voilà. Donc déjà. Voilà. Ensuite, on a quoi en 2-5? En 2-5, on a arrivée visée. Qu'on arrive en combat, ou quand on fait la CD, on arrive en méga Karchakrok, on a un coup critique assuré. Ok. Pouvoir sable 2. Ça se prend, sachant que le pouvoir sable 3 maintenant devient beaucoup trop éloigné. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 4-5? En 4-5, on a capacité du sable. Voilà. Tu fais une CD, tu poses le sable. Incroyable. Et encore en 4-5, là, tranche puissance critique 9. Surtout que tranche de base, ça a déjà en puissance critique 3. Donc tranche obtient puissance critique 12. Alors, corrige-moi si je me trompe, Elec, mais il me semble qu'en AL, ça va préférer jouer tranche que séisme maintenant. Me semble. Parce que tranche de base. Bon, en vrai, non, faut voir en méga Karcha. En méga Karcha, tranche, c'est combien? Ah, c'est 62 puissance? Vu les cases, je pense pas. Ok. Ok. Moi je demandais quand même parce que ça avait quand même beaucoup de multiplicateurs. Ok. Maintenant les cases 5-5. Première capacité du haut, tyran d'F2. Tu fais pour la première. Tu méga évolues avec Karchakrok, tu baisses la défense de tous les adversaires de deux rangs. Bon, ça arrivera après la capacité du haut. Hein. D'ailleurs, ça arrivera après que tu tapes. Mais quand même. Et ensuite, on a quoi? Sable prolongé 5. Ok, LM. OKLM. Je rappelle, c'est un attaquant de 2019. En vrai les cases fest sont incroyables, mais très clairement vous l'avez 3-5, pas besoin de chercher plus hein. Mais c'est cool parce que en fait là il devient totalement autosuffisant sur le sable. Puis, ouais, par contre, ah ça me fait chier parce que vous voyez les cases sont bien, mais on peut pas aller chercher le petit arming speed. Ça fait chier. À la limite, on peut faire ça. Tu enlèves le sable prolongé 5 dans la mesure où tu veux juste céder avec Karcha. Oh, les 4-5 et 5-5 sont utiles uniquement en AL, comme tous les 4-5-5-5. Bah oui. Mais c'est pour ça, Elec. Hein. J'en parlais encore ce matin. Mais de toute façon, tous les gens qui gueulent sur les cases fest, c'est des gens qui ne se limitent qu'au CS et qui ne comprennent pas que ces cases-là, c'est surtout utile en aventure légendaire, mode de jeu où généralement ils ne dépassent pas les 20 victoires. Salut Giroclem. Alors pour le coup, je vais pas vous mentir, moi j'ai mis le top 1-5. J'en ai ras le cul de le jouer. Même si en vrai c'est sympa avec Camerupt et Karcha. Donc je sais pas. Je sais pas. Ah oui, c'est du bonus, hein. Pour le coup, là ce matin, je chopais le 4-5 de Florizarre, j'étais content, mais. Voilà quoi, hein, c'est pas. Je suis pas un tryharder d'aventure légendaire. Hein. Donc, sur le coup, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui va changer mon compte. Parce que. Bon, en vrai, plus de vie, plus d'attaque. En vrai, arriver attaque, à la limite, on peut le virer. À la limite, tu le boostes en attaque tranquillou. C'est quoi ça? I'll go with you. Bon. Peut-être juste. Non, mais. T'es un connard. Voilà. Voilà. 5%, je pense que c'est mieux. Comme ça, sur ma table de montage, c'est mieux. Enfin, ma table de mixage son. Geeky, tu sais ce qu'il manque dans les émotes insuspicious? Paye-moi un designer. Paye-moi un graphiste. À la limite, t'enlèves l'arrivée attaque. T'aurais juste besoin de te mettre à plus 2 en attaque avec un soutien. Même si c'est chiant, parce que là, c'est-à-dire qu'elle peut se full setup en attaque. Mais. Puis en vrai, qu'est-ce que tu peux prendre? Parce qu'en vrai, ouais, t'économises 3 de cases. Putain.
Et attends. Et en vrai, de vrai, un plateau comme ça, c'est pas si con. Sais pas ce que vous en pensez, mais tel setup, t'as la puissance sur la CD, t'as l'Ultra Efficace 5, t'as le pouvoir sable 2, t'as le Ramming Speed, t'as le sable prolongé, t'as la capacité due au sable. La forme du green. Mais oui! Mais oui! Mais c'est ça qui est drôle, Elec! Je me suis moqué de toi, les autres joueurs de Carnet, mais sache que je me suis seulement fait remonter que c'est volontairement trompé de version Noël. Bah! Justement, en fait, Binutil, le truc, c'est que. En fait, généralement, tu tues avant la deuxième CD. Donc c'est tranquille. Après le sable prolongé, ouais, si tu joues avec Minotaur. Mais en vrai, c'est surtout que avec être capable de jouer au sable, en fait, Karchakrok devient vraiment autosuffisant. Je crois qu'il peut. Alors, Elec, tu m'avais dit qu'avec ces cases-là, il pouvait solo là, tu vois ça. Mais en vrai, si t'enlèves la capa du au sable et que tu gardes juste le sable prolongé. Il y a cette case-là que j'aime beaucoup. Mais t'es mal à distance, mon reuf. Sais pas pourquoi je parle comme ça. T'es mal à distance! C'est pas possible! Donc c'est chiant et il pourra pas. Voilà. Et puis derrière, bon ben. Ouais, tu prends des stats. Voilà, tu prends les stats là en vrai. En quel cas où on est en 5-5, hein. Si on est en 4-5, on prend la caisse de CD puis on prend Capa du au sable. Pour le coup. Ou alors. Ah non, ça aussi c'est du 5-5. Dommage. Non, franchement. Et moi qui pensais que le premier duo pâté, ça allait être Thor Tank. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ferai les délits sur le portail. Et si à la fin du fest, eh bien, j'ai pas eu de doublon supplémentaire, je pense que ça va bonbon. Parce que Sinchai Karchakrok, bordel de merde. Un duo que j'ai rarement défendu à l'époque. J'étais rare d'erreur à le défendre. Parce que c'était l'époque en fait au début du jeu où les gens jouaient pas Météo. C'est pas non plus la personne qui jouait le plus Météo, hein. Mais moi j'étais content de mon Karchakrok avec mon Trépas Sable. Enfin bref. Vraiment sympa. 1er janvier, 7h, avant d'aller sur elle, ça va tenter de solo la chose pour le G-Doc. Ah oui, c'est vrai, tu l'as 4-5 en plus. Bon, bah nickel. Bon, ensuite, Giantea Ultime et Jhansi. Alors, je suis désolé si je te EX, toi, ça restera en tenue normale. Attends. Tac, par contre. On va aussi voir en méga Jhansi. Alors, en Jhansi, on va mettre en 1 sur 5. 140, pareil pour l'autre Jhansi, on va mettre. Je regarde pas, là, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. Et on va mettre ici, tac, pour marquer la différence sur les stats. Voilà. Alors, Jhansi, 356 en attaque, 312 en attaque SP, 270 en vitesse. Alors, je vais juste. Juste comparer avec la Jhansi de Ludvina. La 356. 356. Ah, vous avez les mêmes stats? 356, 312. Ah non, ok, il y a moins d'attaque spéciale et il y a un petit peu plus de vitesse pour elle. Une fois en méga. Ça donne quoi? Ça donne 427, 368? 427? Ouais, en gros, t'as plus d'attaque spéciale mais t'as moins de vitesse avec le Jhansi de Jhantea. Ok. Ok. Quand j'avais de la chance au début du jeu, quoi, maintenant plus trop, kek. Alors, bon, après c'est pas trop comparable parce que ce Jhansi est un tacticien. Alors. Alors, tombe roche, baisse la vitesse de la cible d'un. Ok. Souhait roche. Ok, on a la zone roche, sur un limité encore.
Orage Adamantin S, 163 de puissance en 1.5, sans précision, qui coûte 2 segments de jauge capacité. C'est cool que les buddy moves qui coûtent que 2 segments, c'est vraiment cool. Condition d'activation quand la zone se transforme en zone roche. Condition de désactivation quand la zone n'est plus une zone roche. Ok, donc c'est red-like. Baisse la défense de la cible de 2 rangs, augmente la défense de tous les duelliers de 2 rangs. Propre. Propre. Que le rideau se lève, alors attention. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur. Si la défense du lanceur est augmentée, augmente également sa défense spéciale de la même proportion. Applique l'effet Régénérer Solante PV au lanceur. Si l'urgence du lanceur a méga évolué, tous les effets suivants s'appliquent également. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo pour le lanceur. Augmente l'effet prochain boost capacité physique du lanceur de 2 rangs. Ouais, en fait, de ce que je comprends bien, t'as aucun intérêt à faire le move dresseur avant d'être méga évolué. T'arrives, tu poses le souhait roche, tu spam Orage Adamantin, tu montes tes def, ensuite tu méga avec, tu max tes def, et puis après tu fais le body move. Enfin, tu mets le move dresseur. Ok. Noble beauté, Orage Adamantin. Ok, méga évolution, augmente en puissance s'il y a une zone roche. Arrivé, tyran vitesse 2. Ok, donc en méga, ça sera à moins 4 la vitesse de l'adversaire. Capacité attaque 2. Up, critique 1, up, 9. Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise une capacité. Augmente l'attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critique du lanceur d'un rang. Attends, attends, tu poses la zone roche, t'attaques, tu baisses la def de l'adversaire, tu augmentes la def de tout le monde, tu augmentes ton attaque de 2 rangs, tu augmentes ton critique d'un rang, à chaque attaque. Et en plus, tu fais le move dresseur et tu augmentes aussi ta défense spéciale de la même proportion que ta défense. Et immunité baisse défense. Et en méga, ça donne quoi? Le kit change pas. Attaque de crit 1-9. Attaque de crit 1-9. Ok, donc en méga, on a juste plus de stats offensives. Et on a surtout le move dresseur qui devient intéressant. Ok. Alors rien que kit de base, c'est très bon. Hein, là, j'ai pas vu le plateau, mais j'ai envie de dire 1 sur 5 suffit totalement. Les duos roches comme Terra et Aeropteryx qui n'avaient pas spécialement besoin de plus. Au secours. On regardera après Euphorb. Je me souviens plus trop de son plateau. Je sais qu'il y a des trucs sur Vivrock et Tombroche. Pour apeurer. Ok, bon bah le truc sur le body move, ok le 1-5 c'est... Ah oui, en plus c'est un fest, c'est vrai. Récup Josh 3 sur Tombroche, ok. Arrivée tir en vitesse 1. Oui, mais comme ça, quand tu méga, l'adversaire il est à moins 6 en vitesse. Donc, comme ça, il peut quasiment pas attaquer, c'est super. Turbo sable 2, sable régénération. Ok, bon, je pense qu'on va avoir des cases sur le sable. Que le rideau se lève, récup PC 2. Turbo, équipe 9. Ouais, en vrai, après la CD, un turbo Josh équipe. Après, ça dépend avec qui tu joues. Mais si tu joues avec des duos qui genre font des moves à 3 barres ou 4 barres, ou alors qui n'ont pas une grosse vitesse, autant en début de combat les accélérations jauge c'est pas super pertinent, autant en milieu de combat comme ça, vraiment cool hein. Ensuite, ah oui, zone roche soin 1, ok. Tourment restaurateur, ok. Zone roche immunité altération, ok. Ça c'est une cour pour lui. Ok, en 3-5, qu'est-ce que tu nous proposes? Vitesse ennemie baisse, puissance capacité, ok, un multiplicateur. Tombroche, capacité, vitesse, offensive, vitesse 2-9. Baisse la vitesse de la cible de 2 rangs. Genre que de base, on la baisse d'un rang. Donc tu fais 2 tombroche, tu baisses la vitesse de la cible de 6. Mais en vrai, cette case, Osef de la... En fait, pourquoi tu prendrais cette case alors que pour moins cher et en 2 sur 5, t'as l'arrivée tir en vitesse baisse, enfin, arrivée tir en vitesse 1. Sauf si l'adversaire se rebooste en vitesse. Après, il y a peut-être une utilité en elle, hein, je dis pas. Hein. Peut-être moi qui vois pas. Peut-être que j'ai pas. Peut-être que je need de think outside the box. Alors, def up, puissance up 1. Donc, ouais, si la def est augmentée, la puissance augmente de 10%, je crois. Parce que, en fait, c'est con, mais le def up, puissance up, à la côté, il y a un 1. Tu sais pas pourquoi il y a un 1, mais il est là. Donc, je sais jamais. Donc non, là, c'est plus la défense est augmentée, plus les capacités sont puissantes, donc à plus 600 def, t'augmentes ta puissance de 30%.
C'est ça. Alors pourquoi le 1 il est là, putain? Balai sable. Cet ascenseur peut pas être baissé durant les tempêtes de sable, ok. Ok, et ici, défense PE puissance capacité du haut 5. Ok, mais le truc c'est que ça sera surtout utile. Bah en fait, après avec tes méga Jhansi. Donc à moins que tu fasses toutes tes CD avec Jhansi. Enfin, en tout cas, tes deux premières CD avec Jhansi. Pourquoi pas. Première capacité due au prochain garde, ok. Ah, oh, pourquoi pas. Et ici, ce rush récupère PC2, turbo zone rush 3. Sympathique, ça. Sympathique. Le 1 et 2 trop, oui, mais alors... Ou alors, ils ont changé le nom FR. Ouais, c'est bien, touche coquille, acquis 5% par boost de dé. Bah ouais, c'est bien ce que je pensais. Dingue que. En 4-5, qu'est-ce qu'on a comme case? Arrivé coach critique 1. Ok, ok, ok. Alors, par contre, je vais juste dire un truc. Je regarde pas les autres cases, mais... Là, de ce que je vois, pour moi, c'est Genesecte Tier. C'est-à-dire que le duo, dans son kit de base, est très très bien. Et son plateau, au début, tu te dis, ouais, bah c'est sympa, mais en fait, à chaque fois que tu vois... tout ce que tu gagnes au niveau des doublons, t'as envie d'aller chercher des doublons supplémentaires. C'est là qu'on voit un bon plateau, finalement. Arriver coach critique, c'est cool. Mais en vrai, bah, c'est-à-dire que tu te setup super rapidement en crit. C'est cool. Et ici, t'as quoi? Alors ici, t'as... Ce rush, première capacité, compteur baisse 1. Bon. Si t'as déjà des réductions compteur en équipe, pourquoi pas, mais sinon... Bah, attends. Attends. Et en vrai, non. Cette case peut être intéressante si, après avoir méga, tu fais le move dresseur, car tu vas réduire de 1 le nombre d'actions. T'auras méga, tu vas encore réduire de 1 le nombre d'actions. Et avec ça, tu réduiras encore une fois le nombre d'actions, donc tu vas skip un tour entier. C'est pas con. Y'a plus de... Bon, on va mettre Nostalgic Pokémon Music. Voilà, on va mettre ça. Ok. Et en 5-5. En 5-5, qu'est-ce qu'on a? Bon, capacité duo critique. Hop, bon. C'est pas une case que je trouve totalement pertinente. Après, bien évidemment, ça a son utilité. Et jusque moi, dans les combats, si je crit pas, à la limite, bah, je termine le combat sans difficulté. Ou alors, allez, je reset, c'est pas un problème. D'accord. Et ensuite, ici, zone rush prolongée 3. Ok. Bon. Alors, j'ai envie de dire, le plateau, jusqu'au 4-5, c'est vraiment cool. Le 5-5, c'est gimmick. C'est vraiment... Les cases sont pas si insane que ça. Même si le zone rush prolongé 3, c'est à peu près la même chose que le zone fée prolongé 3 de Gardevoir Shiny. Le truc, c'est que de mémoire, Gardevoir Shiny a des cases plus intéressantes en 5-5. En plus. Mais en tout cas, de ce que je peux dire sur ce Jhantea Ultime et Mega Jhansi, c'est un très bon cru. J'aime pas mal ce qu'il propose. Néanmoins, je ne me vois pas trop aller chercher de doublons supplémentaires dessus. Donc, ce que je me vois faire, justement, c'est tout simplement daily sur son portail. En plus, il reste jusque début mars. J'ai totalement le temps de le choper en daily, voire même de choper des doublons. Bah exactement, Elec. Autant avoir des récup PPC sur la zone. Non, mon Gardevoir, je crois que c'est la zone prolongée plus récup PPC, je crois. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Il faudra que je revoie à nouveau mon plateau. Mais de toute façon, mon plateau de Gardevoir, c'est toi qui me l'avais conseillé, donc... Ok, donc très très bon cru, ce petit Jhansi. J'ai hâte de la daily. Ensuite, on a Sana et Blindé Pic. Alors, Sana et Blindé Pic... Alors, Sana de base, sans être méchant, on a rien à branler. Et Blindé Pic, je trouve que c'est le pire starter que l'humanité n'a jamais engendré. Voilà. On se pose là. Voilà. Ça n'a rien à faire ici. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi.
Mais ça n'a rien à faire là, voilà. Voilà. C'est Screen. Et je le mets dans Master Général. Hop. D. 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 Non, non, non. Dédicace à Atsana. Voilà. T'as vu le Gagnome de Pierre-Sar? Non, mais Gagnome, il est mignon! Arrête! Déjà, il a plus de charisme que cette frotte de Typhlosion. Eh oh, ça va, hein! De toute façon, vous pouvez pas m'attaquer. Le symbole bizarre me protège. Voilà. Qu'est-ce que vous avez. D'ailleurs, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Je vous emmerde. Je vous emmerde, j'ai mon Bulbi. Alors. Putain, le pire, c'est qu'il est confortable, ce con, hein. Vraiment. Alors, 733 en PV, 256 en def et DSP, 336 en attaque spéciale. C'est un soutien? C'est un soutien qui a plus d'attaque spé que de défense? Écoute, Ratel, quand t'arrêteras de te toucher sur un poulpe, sur une vaginette et sur un oiseau avec une mèche rebelle, tu viendras me parler. Non, mais Ganem, non, non, c'est pas possible parce que Morleu existe. Fouillian, ok. Mini potion G, ok. Pico défense. Alors, est-ce que ça va être un Ixon tier? Ou en tout cas un Ixon-like. Alors, lanceur se met en posture défensive. En utilisant à nouveau cette capacité, lanceur quitte cette posture. Aucune autre action ne peut être réalisée durant cette posture. Immunise contre une capacité durant cette posture défensive. Puis lanceur quitte cette posture. Si les capacités d'une capacité physique, inflige des dégâts à l'ennemi à l'origine de l'attaque. Point de catégorie physique. Tu as raison. Pourquoi il y a autant d'attaques spé attaque alors qu'il n'y a aucune. Exposed! I see everything! Alors, par contre, attends. Alors, oui, si c'est une capacité spéciale, ça te protège juste. Si c'est une capacité physique, tu tabasses l'adversaire. Ok. Par contre, inflige des dégâts à l'ennemi à l'origine de l'attaque. Vu que la capacité n'a pas de puissance, est-ce que c'est genre les dégâts de la capacité de l'adversaire qui se retournent contre lui? Ça me paraît très logique, un peu comme un Val-Miroir. Bon, on y va! Deux utilisations, tous les alliés. Attaque. Plus 2, crit allié plus 1. Ok. Un petit récup PC, puis c'est fini. Alors, en défense, succès coche def d'SP 9. Alors, si on annule une capacité de l'adversaire avec Pico défense, def d'SP plus 1 pour tout le monde. Ok. En défense, succès jauge up 3. Si on réussit, on envoie la jauge de 3 rangs. Ok, donc c'est un Ixon en mieux. De ce que je vois. Première capacité du récup PC 1. Parfait pour Pico défense et pour le récup PC sur le mauvais dresseur et pour Mini Potion G. Donc c'est cool! C'est un soutien. Si tu lui ex, tu fais la CD. Tu mets à plus 6 attaque, tu mets à plus 2 crit tout le monde. Enfin, tu mets à même à plus 3 crit tout le monde. Et puis voilà. C'est cool. Puis tu récupères l'utilisation de Pico défense. En vrai, il est confortable, mais vas-y. En fait, le truc, c'est que derrière, j'ai déjà un oreille. Mon intelligence me surprend. Ah oui, ah oui, ah oui, oh là c'est parfait. Oh là c'est parfait. Il suffisait juste de retirer l'oreiller de merde. Et là c'est parfait. Excusez-moi. Voilà. Je suis bien là. Je bouge plus. Bonne nuit à vous. Ah putain. Alors, je disais. En 1-5, on a quoi? Immunité ligotage. Alors, je vais juste me ravancer un peu. Yep, on se remet bien. C'est ça qui est chiant avec cette chaise. Et surtout, la caméra. Mais bon, j'y peux rien. Oh, le gamers! La chaise qui part totalement en couille, hein. Si à un moment je dois changer de chaise, je prendrais une véritable chaise de bureau. Parce que c'est beaucoup plus confortable que les chaises gaming. Hein, qui sont plus une arnaque qu'autre chose et qui te détruisent le dos. Récup jauge 3. Capacité offensive, ligotage 2. 30% de chance d'appliquer l'effet ligotage à la cible. Sympa. Arrivée coach défense 1. Arrivée coach défense spéciale 1. Ok. La profond 5.
récupé PC sur Pico Défense. Alors ça, on va quand même prendre, même si la CD nous redonne une utilisation. Parce qu'on sait jamais, hein. Oui, c'est... Alors, je me posais la question sur la vidéo planning, Elec, mais ouais, Créelf, c'est bien altération de statut et tourment. Et après, tac, tu prends ça. Puis ensuite, t'as quoi? Champ herbure régénération, récupérer PC sur le... Bon, en vrai, récupérer PC sur la compétence dresseur. Tu vas faire deux fois le move dresseur. Ouais, en vrai... En vrai, c'est peut-être mieux d'avoir le récupé PC sur le move dresseur de base. Car juste avant ta première CD, tu fais... Juste avant ta première CD, tu fais... c'est bon, tout le monde a plus 6, c'est plus 3 en crit. Ou alors tu t'en fous, puis justement, tu pars du principe qu'en début de combat, l'adversaire t'a attaqué, donc tu soignes un peu tes alliés. Comme ça, après, tu CD, tu récupères des utilisations partout. Le truc, c'est qu'en début de combat, si tu setup, t'auras pas le temps de faire pico défense, quoi. Ok. CD récup Josh 6, si... Oh! Parfait, ça! Un truc sur mini potion G, bon. Une fois en défense, succès, prochain boost, capacité physique, plus 1-9. Ok. En défense, succès, compteur, baisse 9. Ok. Coriacité. Écoute, me fais vraiment pas chier, je t'en supplie. Me fais vraiment pas chier. Ah, t'es chiant. Faudra que je me penche un peu plus sur son plateau. Là, je vous avoue, là, je suis pas totalement concentré. Mais, les bombes, l'un des pics. En soi, c'est XO en mieux, si on veut résumer totalement la chose. Coriacité, immunicrit, c'est cool ça. D'ailleurs, tu peux ligoter avec Folian, t'as des arrivées défense spéciale, récupérer PC sur Pico, puis t'as plein d'autres cases intéressantes. Bon, les trucs sur mini-potion G, je trouve pas ça super intéressant que ça. Capacité défense sur move dresseur, le truc c'est que la case est super loin, ça coûte cher. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, Elec, je te souhaite de l'avoir avant le select. Je te souhaite de l'avoir avant. Mais vraiment cool, ce petit blind épique. Perso, c'est skip parce que c'est scout, mais intéressant. Ensuite, alors, le hub de Gardevoir et Gentéa. Un duo que j'ai 4-5. Que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis un gros fanboy de Gardevoir. Y a pas d'arrière-pensée. Que je vous vois déjà venir. Pleine forme 1. Ah ! Donc, pouvoir lunaire passe à 60% de chance de débuff l'attaque spéciale. Bien ! Arrivée vitesse 1. Vu qu'il a une vitesse moyenne, même pas folle, ça peut être sympa. Sachant que de mémoire, la méga, ça booste juste attaque spéciale et défense spéciale. Non, ça booste juste attaque spéciale. Et... Ah oui, merde. T'es chiant. Tu me fais chier. Ça booste aussi la def? Ça booste... Oh, ça booste aussi la DSP. Ok, ça booste la DSP DSP. Ok. Ensuite... alors moi, généralement, garde voir, ça partait vraiment sur pouvoir lunaire avec les cases sur la CD. Puis voilà quoi. Alors, en 4-5, ici on a quoi? Capacité offensive, attaque spéciale, baisse 9. Alors, sympa. Tu le combattes avec pleine forme 1, t'as beaucoup de chances de baisser mieux l'attaque spéciale. Seul truc, c'est que moi, cette case, je vais en avoir rien à branler. Parce que, tout simplement, moi, je joue les deux garde-voir ensemble. Et garde-voir et Timmy... Ça met déjà moins 4 attaques spéciales et défense spéciale de l'adversaire. C'est ça, hein? Attendez.
Attends, que je dise pas des conneries. Je dise pas de conneries. Le buddy move, c'est... Attaque spéciale 4. Ok. Bah, en fait... Là, pour l'instant, ce que j'ai l'impression, c'est que les cases fesses de Gardevoir sont là vraiment pour dire... voilà, vous pouvez mieux profiter des buffs sans avoir teamé Gardevoir. C'est comme ça que je le vois. Ici, en 4-5, on a quoi? Kappa off toujours. Alors, ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est bien. Top. En temps de récup jauge sur pouvoir lunaire, c'est pas si intéressant, surtout que c'est des récup jauge 2. T'as les trucs d'arrivée attaque. T'as vu qu'il n'y a pas du ultra efficace 2. Donc bon, c'est pas... Ensuite, Ekazistar capacité compteur 9. Ouais. T'as les équipes pour le moment. Alors, non, non. Ce truc, ce truc, ce truc. Ce truc, ce truc, ce truc, ce truc, et là je suis à ce truc. Voilà. Ouais. Ouais, c'est... En fait, le truc, c'est que autant les cases sont bien, mais c'est uniquement s'il est solo, quoi. Parce que si tu le joues avec Gardevoir Shiny, tu t'en branles. Donc, au final, c'est des cases qui apportent pas grand-chose. À la limite, le Planeforme 1, c'est cool quand même. À la limite. Puis en vrai, attends, non, le récup jauge, en vrai, on s'en bat les couilles parce que Timmy et Gardevoir, ils donnent de la vitesse à tout le monde. Parce que c'est un Tchad. Oui, là, je fais un plat uniquement pour Timmy et Gardevoir, je vous emmerde. Arrivée code vitesse 2, ouais. Plus l'arrivée vitesse 2, le truc, ouais, ça va, on n'aura pas de soucis de vitesse. Ouais, voilà, tu... Ouais. Un truc comme ça, quoi. Mon avis sur duo, bah écoute, on a plus de la moitié, je ferai un récap à la fin. So, vas-y, flemme de repasser sur tout le monde. Plateforme 1, ouais. Alors, c'est sympa, mais très clairement... Bah en fait, ils ont juste donné du debuff supplémentaire à Gardevoir et Diantea, quoi. T'as pas de véritable puissance en plus. Donc voilà. Après, très clairement, t'auras jamais de soucis de vitesse avec Kappa Off touche jauge 9. Ouais. Un peu mitigé, j'ai quand même 5-5 ce truc-là pour la passion du Gardevoir. Mais ouais, vivement qu'il y a un pâté qui se rajoute. Hein. Mais bon, le duo est pas mauvais non plus, quoi. Ensuite, Travis sans silence. Alors, Travis sans silence que. Je crois que 3 personnes sur la planète Terre l'ont. Parce qu'il est sorti au pire moment. Alors, en 2-5, on a quoi? Talent de raciste, putain! Oh, sa mère, la... Désolé, Bilby. Oh! Putain! Alors bref, ACDC ultra efficace. Puissance super efficace du lanceur de, ouais, de 10%. Et aussi les CD et les Dynamax. Ok. Oh putain, je vais tellement hurler quand je vais devoir refaire une vidéo sur ce connard. Alors en 4-5, direct, dis-moi, annonce-moi la couleur. Kappa Duo Dynamax compteur baisse 2. Allez, à la limite. Sentence G-Max plus 100. Ok.
Mais en plus, et dites-vous un truc, hein. Mais il donne un up à un duo de 2022, hein. J'ai juste à le dire. Le duo est sorti il y a 6 mois. Voilà. Voilà. Dracolos, hein, toujours dans nos cœurs, hein. Petit dragon débile qui n'aura jamais d'amour de la part des devs. Ok. Muté, baisse défense, ouais. En 4-5, réconfort 2. Bon. De ce que je vois, ils lui ont mis des casse-fesses pour lui mettre des casse-fesses, mais très clairement, il en avait pas besoin, et ça se ressent, quoi. À la limite, tu prends ça. Et voilà, c'est bon. Et tu prends ça. Et voilà. Voilà, t'es pas... Voilà, ça se sent. Les nouvelles cases sont pour solo duo, les AL. Mais oui, mais Elec, c'est vraiment dégueulasse de la part des développeurs de mettre des cases comme ça. Ça nous incite à encore plus à les invoquer. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, je désinstalle le jeu. Je vais jamais tryhard de l'aventure légendaire, mais c'est vraiment inacceptable. Ah bref. Bon, de toute façon, de base, je l'ai pas, donc... c'est bon, la question, elle est vite répondue. J'avoue, ils ont déjà bidé en plus le rerun. Ouais. Ouais. Alors bon, Auguste et Galopa. Qu'est-ce qu'il nous propose? Putain, j'avais jamais remarqué qu'il avait une vitesse pareille. What the fuck? En fait, il a une meilleure vitesse. Attends. Parce que j'avais dit qu'Electrode avait la meilleure vitesse au début, mais non, en fait, c'est... Ah oui, non, mais au début du jeu, Ponyta était pas... Ah bah, même quand Ponyta était pas évolué, oh merde. Bon, bah, ça m'apprendra. Rapid Dash. Rapid Dash. Pokémon Dash. Vous êtes des vrais si vous avez joué à ce jeu. Alors, ce petit connard. Roue de feu, air nocif, ok. Intro jeu équipe, première capacité du soleil, puissance brûlure 3. Limite. Tourment ennemi, capacité duo, capacité visée, arrivée précision. Ah, dans Slam qui confus. Ne serré, ok. Truc sur le soleil. Ok, donc c'est comme Béquipant, tu vas reposer le soleil. Ok. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Pas grand chose à dire de plus dessus, c'est... Je suis sûr qu'il peut faire des trucs sympas avec sa CD. La casse tracker moyen profitant du sun, free run de Krefes. Bah en vrai, y'a quoi? Y'a quoi? What if là? Arcana? Ok. Ensuite, Amana Megapagos. Alors c'est bon, la blague arrive. La bonne blague arrive. Alors, qu'est-ce qu'il obtient? Hydrocure et cube jauge 9. Bon, déjà, c'est cool. Mais t'as un petit cube jauge 9. Duo coche traitement. Bon, je suis pas fan de ce genre de truc. Arrivée coche précision. Bon, si tu veux. Réconfort 1. On plonge récupérer PC 2. Devient la cible des temporairement des ennemis. Prêt à encaisser. Bon, à la limite. Ouais. Ouais, bah en vrai, le récup jauge 9 sur Hydrocuff fait plaisir.
Après, bon, le capacité défense spéciale sur une idée plus, je sais pas si c'est pertinent. Yami, tu vas chercher ça, puis voilà. Ou alors tu prends de la presse. Puis voilà. Ok. Bon, bah, au moins, il a un plateau. Ouais, sympa, mais de base, le duo était pas exceptionnel, quoi. Alors, Beto Chef, le truc. De ce que je comprends, dès qu'il subit une altération de statut, il est immortel. Ah oui, puissance altération 5, oui. Ok. Donc forcément, tu spams vampi point. Alors. Bon, avec le truc, je pense pas qu'on va jouer dessus, hein, très clairement. On va préférer jouer vampi point. Arrivé critique 1, ok. Oh. Là, ça me plaît. Ultra efficace 2. Question de l'altération de statut turbo. En vrai, l'ultra efficace. On va devoir la suite, ça fait quoi? Défense plus 3, ok. Bon, allez, t'augmentes un petit peu son attaque, il sera content. Turbo zone combat, ouais. C'est quoi, c'est un tacticien? Ah non, c'est un attaquant. Bon, en vrai. En vrai, tu fais un truc sur avec la troc, avec les drops de def, ça peut être sympa. Hein. Après, c'est quoi ses stats de base? Bon, en vrai, il a une stat d'attaque pas dégueu pour un duo du début du jeu. Et voilà, tu enlèves tout ça. Amit, tu enlèves tout ça. Vraiment, si tu pars dans une optique de je veux taper avec. Sinon, si tu veux vraiment le jouer pour la L, bah tu vas chercher ça. Sympa. Sympa. Je pense que je ferai un petit plateau pour la L. Parce que ça m'a l'air vraiment bien ça. Bon, l'ultra efficace 2 est pas super intéressant. Mais. Puis en vrai, tu veux faire un plateau pour. Tu veux faire un plateau pour la L, ça donne quoi? Ouais, tu fais un truc comme ça. Donc autant ne se booste pas vraiment en attaque space, sinon on serait tué rapidement. Ouais. Alors, Euphorbe, notre Euphorbe. Il obtient enfin un EX. Le meilleur daron, hein. Je veux rien savoir. Alors, il a un EX, c'est bien, mais est-ce qu'il tape sur la CD? ?50%, ok, un petit 150%, ok. Ah, en fait, il a une petite CD, hein. Même sa CD en fait, elle a pas de multiplicateur. Hein. Ah ouais, je pensais pas qu'il avait une capacité de jeu aussi faible en fait. Bon, de toute façon, c'est pas pour ça que tu vas le jouer quoi, c'était juste pour l'effet du EX. Mais sympa son EX. Sympa. Bah d'ailleurs, maintenant, tous les 5 étoiles invocables du jeu, en dehors des 3 évolutions qu'on a eues le mois dernier, maintenant tous les 5 étoiles invocables du jeu ont un EX. Donc maintenant, les prochains Masterfest, bon, j'attends l'UX de Charter maintenant, j'attends l'UX de Mascadra et Violette, j'attends l'UX de Sandra, j'attends plein de UX. C'est cool. Bon, Aurore Torterra, alors pourquoi j'ai pris ce duo-là? Tout simplement parce qu'on a les trucs du salon des dresseurs. Alors moi, je crois que dans 2-3 jours, j'ai fini N. Donc ça va stacker quelques interactions avant d'aller chercher, avant d'aller lui parler. Ok. Avec vérité, légende de Sino, tout ça, mon couronné, ok. Nickel. Et là, c'est quoi? Ah, là, c'était Dracolos, ok. Bon, ben, combien de temps le live? 1h30. Ok, bon, ben, on va pouvoir faire une conclusion sur tout. Donc ceux qui n'étaient pas là au début, ben, c'est parti pour le rattrapage. Accent suprême. Alors, Aurore et Plumeline. Mon avis. C'est un tacticien sympa. Très sympa pour les debuffs. De ce que je comprends avec son talent, ça va vraiment être sympa pour accompagner d'autres debuffeurs. Il va bien taper sur le type spectre.
Franchement, si tu veux juste l'avoir pour des buffs, le 1-5 suffit totalement. Tu veux taper avec le 3-5, c'est très bien aussi. En plus, tu peux mieux debuff en 3-5. Personnellement, Aurore, je m'en fous. Vraiment, la tenue, bof. Plumeline, je m'en fous. Et vraiment, ce que propose le duo, je m'en fous. Voilà. Non pas que c'est mauvais. Personnellement, je n'y ai pas d'intérêt. Donc voilà. Atalante. Gros DPS. Bon, DPS, on se comprend. Gros damage dealer. J'en ai aucune idée, Taylor. C'est vrai, Elec, les œufs, je fais même pas gaffe. Vas-y, c'est quoi, c'est quoi les nouveaux œufs? C'est bon. Les œufs. Ouais, frérot, c'est bon, j'en ai déjà bouffé hier des œufs. Ça met même pas les nouveaux œufs là, t'es chiant. Putain, vas-y, c'est trop de la merde ton jeu là. Et en plus, c'est des Pokémon de la 1G, hein. Ouais, c'est pas de mal avec que j'aurai mon œuf de Kaiminus, hein. Enculé. Le mec qui s'énerve. Allez. Vas-y, je retrouve même pas ta merde. Et bon, il est là. Et vas-y, attaquant, soutien, tacticien. Allez, hop. Allez. Et une étoile de base, de la grosse. T'as vu ses stats? Et tu demandes que je regarde ça? Non mais au secours. En vrai, attaquant. Giga sensu, attaque spé, vitesse 2, critique 1. 30% d'empoisonnement. Turbo sol. Ouais, puissance critique. Oh, ok, bon. Attaquant. Le soutien. DSP plus. Attaque spé, vitesse de tous les duels inhérents. Harcèlement. Turbo Soleil. Ok. Et le tech, ça donne quoi? Parasport. Test défense spéciale plus 1. Poudre dodo. Ouais, bon, c'est le tech le plus intéressant, quoi. Mais en fait, j'ai envie de dire, d'une manière générale, dès que tu chopes le shiny, c'est que t'as le bon œuf. D'une manière générale, hein, attention. Bon, Elec, t'es content? Je peux revoir ma famille maintenant. Bon, bref. Galopa. Donc, je disais gros attaquant sur le type fée physique. Le 1-5 suffit très clairement à première vue. De toute façon, vu la puissance de Giga Impact, pas de souci. Je pense le 3-5, vraiment, c'est gros dégâts, pas de souci. Après, derrière, tu peux même te servir d'un côté utilitaire avec Vive Attaque. Mais le sup, je l'ai vu, Elec, putain! Oh, il est insupportable! Ah, j'adore. Derrière le poisson je disais, monsieur! Ça va taper fort, il y a un côté utilitaire sur Vive Attaque! Personnellement, ça va Deli parce que bah, j'aime bien Talente, la tenue est cool. Mais si je l'ai pas, je vais pas en faire tout un plat, très clairement. C'est bon, ça me demande pas si je dois revoir le support. On va faire plaisir. Alors, Rafflesia support, qu'est-ce que ça donne? C'est sympa. Suis vraiment insupportable. Alors, Aurore et Chenizel, bon petit duo free to play du salon. Attaque spé, DSP, vitesse pour tout le monde. Plateau sympa, elle peut solo Latios. Après avoir avec cette case sur 25 justement, je pense que c'est une erreur de titrage. Et que c'est juste pour baisser une deuxième fois l'attaque spéciale des adversaires. Des trucs sur le champ herbu, des trucs sur le move dresseur. Non, vraiment sympathique. Sympathique. Azumarill, soutien sympa aussi. Avoir une game pour l'instant, je vais pas vous mentir, sur le papier, je suis pas trop convaincu. Après, à voir, bien sûr. L'ADF, attaque spé, DSP, sympa. L'introjo d'équipe qui fait plaisir. Derrière, le drain de stats. Puis voilà, ouais. En vrai, c'est sympa. Et sympa. Bon petit duo free to play. Ensuite, Karcha. Alors, Karcha, ils ont fumé leur grand-mère. Hein, parce que de base, même sans casse festival, le duo était redevenu excellent. Mais alors là, on a totalement possibilité de solo pas mal de trucs. Hein. Solo setup au niveau du sable prolongé. Si on veut aller chercher ces cases-là, eh bien on peut baisser la défense des adversaires quand on fait notre première capacité duo. En vrai, je trouve que j'ai trouvé le meilleur plateau possible en 5-5. D'une manière ergonomique.
On parle pas de solo d'aventure légendaire, hein. Je parle vraiment dans une situation de jeu normale, on va dire. Voilà, c'était le premier Pokémon pâté du jeu. Janta et Ultime Gardevoir, le duo du mois pour moi, vraiment incroyable ce duo. Kit de base, excellent. On pourrait s'arrêter totalement au kit de base, mais les doublons font vraiment plaisir. Jusqu'au 4 sur 5, le 4 sur 5 apporte l'arrivée coach critique, c'est sympa. Et après le 5-5, bon, c'est vraiment pas nécessaire. Vraiment, si vous mettez 5-5 Giantea, Ultime et Jancy, c'est uniquement parce que vous kiffez le perso et non pas par réelle utilité, très clairement. Mais ce duo est totalement Gucci, j'ai hâte de le délire. Bref, tenue masterclass, j'aime trop, voilà. Ensuite, Sanabian Dipic, ben c'est un Ixon sorti en 2023. Voilà. Sympa, boost de bonnes stats, Pico Défense qui est sympa. Et puis voilà, un plateau pas dégueulasse, en 3-5 qui crit, coriacité, peut faire des trucs sympas. Bref, voilà, sur le papier, c'est intéressant. Attire celle d'Arène Vina, je faisais. On peut récupérer des nouveaux. Alors, de ce qu'on a compris, alors j'en ai pas parlé dans la vidéo planning parce que en fait, ça m'est pas venu à l'esprit. Parce que White l'avait pas mis. Mais en gros, à partir du 1er janvier, pardon. À partir du 1er janvier, pendant 7 jours, je crois, en bonus de connexion, tu auras un ticket d'invocation. Je crois. Hein, je crois qu'en tout, il y a 7 tickets d'invocation. Et ce sera sur un portail où tu auras des fests. Et dedans, tu as le trio Kanto. On ne sait pas s'il y a d'autres fests dedans. Il faudra attendre le 1er janvier pour être sûr de savoir ce que c'est. Mais voilà, on ne sait pas si ce sont des multis avec les tickets. On ne sait pas si ce sont des singles. Mais si ce sont des multis offerts gratuitement, c'est trop fort. Trop bien. Ensuite, le up de Gardevoir. Alors, les casse-fesses de Gardevoir et Giantea. Si vous jouez déjà de base Giantea et Gardevoir avec Timmy, Luke Ultime et Gardevoir Shiny, ce up de plateau ne sert à rien. Voilà, faut le dire. Par contre, si vous n'avez pas Timmy Ultime et que vous adorez jouer Gardevoir, eh bien, ce plateau, ces up de plateau est cool, car, eh bien, on va pouvoir avoir un meilleur debuff, booster au mieux la vitesse du personnage, en plus récupérer plus facilement des segments de jauge capacité. Donc, ça va dépendre de ce que vous avez dans la box. Soit c'est un plateau OZEF, soit c'est un up vraiment le bienvenu. Ah, de choper des pierres rochers en boucle. Porte pas la poisse. Vraiment, Elec, porte pas la poisse. Ensuite, sort silence. Bah, en fait, le duo était déjà très bien de base, donc ces cases, en fait, ne servent que pour des solos ou duos d'aventure légendaire, très clairement. Pas besoin d'aller chercher ces cases si vous êtes un joueur lambda qui ne fait pas d'aventure légendaire. Donc, dans 99,95% des cas. Ensuite, bon, le plateau de Galopin est sympa. Ça brûle, ça ligote, ça rend confus. Vraiment, on pouvait rien en dire de plus. En plus, on peut reposer le soleil après la première capacité du jeu. Le hub de Megapagos, bon ben, de base, fallait pas s'entendre à un truc exceptionnel. Mais on prend quand même avec le récup jauge 9, le récup PC2 sur l'omnidéfense et le récup PC2 sur on plonge. Même si, mine de rien, ça a pas l'air fou. Bah, si on arrive à survivre à l'adversaire, eh bien, si on peut redonner le focus sur nous, bah, c'est sympathique. Après, on pourrait se dire, oui, mais OZEF, on lui donne le focus de base sur lui. Après, ça va dépendre de vos compositions. Bien évidemment. En plus, on a arrivé coche précision. Pour Beto Chef, bah Beto Chef, ça va dépendre. Soit ça va bien taper, ça va bien débuff la défense de Kaltrock avec les 4 rocs. On peut avoir un meilleur setup. Ou soit, eh bien, ça devient encore un meilleur duo contre Boreas en aventure légendaire. Parce que Boreas va chercher à nous empoisonner. D'ailleurs, attends, j'ai pas regardé. Ouais, c'est ça, Boreas, il nous empoisonne. Mais justement, Boreas, il nous empoisonne simplement ou il nous empoisonne gravement? Je sais plus. Parce que s'il empoisonne gravement, c'est pas fou, hein. Grave, ah merde. Mais il arrive à tenir malgré le vampire point, il arrive à tenir malgré les empoisonnements graves? Vraie question. MP, tu as résistance empoisonnement 9. Excuse-moi, Elec, j'avais totalement oublié ça. Je suis désolé. Gomenasai. Lugarok, le Hex, bah fallait qu'il arrive, même si en termes de capacité duo, bon, c'est clairement pas un duo qui est taillé pour ça, mais ça fait plaisir. Aurore, bon, c'est surtout pour les trucs dans le salon. Et puis Dracolos, bon, Dracolos, c'est le clown de la soirée, hein, comme d'hab. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Finalement, bah, mon coup de cœur du mois, bah, c'est tout simplement
Bah, Jantea. Voilà. Mais si je devais faire un petit top 3 du mois, c'est très simple, c'est Jantea Ultime, Jantea Ultime, Sinchek Archakrok, Jantea Normal. Mais pourquoi? Bah tout simplement parce que j'aime les femmes. Voilà, c'est tout simple. Sinon, en termes de duo, en termes de nouveau duo de ce mois-ci, ça serait Jantea Ultime. Ça serait Jantea Ultime, Galopade Galar, et Plumeline en troisième. Après, ça peut varier. Blindé pique à voir, parce que de base, ça reste quand même un Ixon. Après, c'est personnel. Hein. En vrai, ça va dépendre des utilisations. En vrai, Galopa, ça va juste être un gros truc qui va taper. Si on recherche vraiment un truc utilitaire, Plumeline va être plus intéressant. Mais bref. Elles ont le tag jeune femme, mais voilà. Mais je suis un homme de culture, moi. Bon. Bah écoutez, c'est tout pour moi, voilà, 1h30 de live, on aura bien tout fait. Normalement, vers 20, entre 20h et 22h, White devrait live. Donc, voilà, on s'échange les rôles, j'ai envie de dire, on s'échange l'antenne. Ce soir, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais farmer les chouchoudites sur Écarlate. Et de toute façon, je vais pas stream ça parce que c'est chiant à mourir. Faudrait aussi que je commence le G-Doc. Mais de toute façon, vas-y, j'ai une semaine de congé. Vas-y, je vais en profiter, quoi. Déjà, aujourd'hui, j'ai bossé pas mal de trucs. Ça serait bien que demain, je fasse les deux analyses des saisonniers et que je prenne une heure pour moi pour aller à la salle. Ça serait bien. En vrai, demain, je me lève tôt et je fais ça. Comme ça, après, dès que j'ai fini tout ça, bah, allez, hop. On fait le G-Doc, on fait tout ce qu'il y a à faire et puis je serai tranquille. Et voilà. Bon écoutez, j'espère que ce live analyse vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire c'est lequel le duo qui vous tente le plus pour ce mois. Mais Elec, d'ailleurs, grande nouvelle. Je sais pas si t'as vu passer, mais 98 kilos maintenant. On a enfin dépassé les 100 kilos. Incroyable. Et pourtant, ça fait un mois que j'ai pas bougé mon gros cul pour aller à la salle. J'ai aucune motive en hiver, ça me fume. Mon petit live, mon chance partir sur Dancy 1 sur 5. Et arrête. Non mais les gars, arrêtez de vous toucher sur My Little Pony là. Putain, vous avez 30 ans les gars. Ah ouais, non mais là je vais au taf en marchant, c'est cool. Puis là en même temps, je mange moins. Là tu vois, je vais me faire une petite salade. Ça va faire du bien. Puis voilà. Et voilà. Donc, en vrai, moi, ça va être un mois de délire. Hein. En vrai, je vais pas vous mentir, le 31, c'est le dernier jour où il y a les duos de Noël. Si c'est pas tombé en délire, je pense que je ferai une petite vidéo où je fais les steps. Minimum un 5, hein, vraiment. Si je les ai avant, bah, je m'arrêterai. Si je les chope rapidement, je pense que je m'arrêterai au moins en ticket 25 pour chaque. Voilà. Semaine pro. Alors, semaine pro, c'est déjà semaine pro. Putain, ouais. Semaine pro, c'est mon anniversaire. Et j'ai toujours pas Serena Masterfest. Donc à la limite, il y a moyen que le jour de mon anniv, eh ben, il y a une petite vidéo ou un petit live improvisé vite fait un matin où on go faire ça. Invoquer. Alors Kalem pour le coup, même s'il est excellent, vraiment. J'ai pas de hype particulière envers lui, donc ça me dérange pas de le skip en vrai. Parce que bon, après, on sait jamais, ça se trouve, mes délices seront chanceuses. Je l'espère. Mais auquel cas où les délices sont pas chanceuses, et ben on fera des pouls sur Serena. Puis de toute façon, on a 31 000 diamants offerts pour le mois de janvier, donc ça va totalement récupérer, sachant que j'ai 60 000 diamants free to play. Et puis le reste, ben, le mois de janvier, ce sera full daily. Pourquoi tu mets en majuscule et au féminin quand tu mets noir? Parce que noir, c'est masculin en minuscule. Balzac a mal aux couilles, voilà. 14 viewers, on a 14 viewers. Putain, c'est tellement canon. C'est le plus canon que j'ai pu faire. Enfin bref. Bon allez, je vous laisse. Moi, je vais aller me faire une petite salade pendant que tout ça s'exporte sur YouTube. Gros bisous à vous. Si vous voulez, bon, on se retrouve sur le Discord pour se faire un petit Mario Kart ou discuter de Masters, tout ça. Y a pas de souci là-dessus. C'était Kiki. Je vous embrasse tous, bien évidemment, et à la prochaine, et Bulbi bisous, voilà.
Ciao!